Et donc ça, ma classe. Non, tu l'as vu le dernier film de Game of Thrones? Bonjour. Ouais. Veuillez reprendre vos places respectives. Et t'es qui, toi? T'as raté deux classes, hein? Ta classe c'est de l'autre côté. Bah allez, Camille, c'est pas grave. On te pardonne pour cette fois. C'est quoi ton prénom, jeune homme? Va dans ta classe. Ok, et donc madame, monsieur, va dans ta classe, tu vas t'asseoir tout de suite. Je suis la prof remplaçante. Veuillez vous installer à vos places. Oui, jeune madame, homme. Madame, il y a un souci. Vous êtes arrivé en mode guetteur du quartier. Je pense que vous êtes trompé de classe. D'accord, non, alors, moi je suis la remplaçante. Je suis votre professeur qui remplace madame Jackson. Est-ce que vous bicravez ou pas, madame? Ça, jeune homme, on verra après la classe, quand la sonnette va sonner, d'accord? Ok, oh, pas de soucis. Bon, du coup, voilà. Je vais à ma place. Ok, installe-toi, monsieur, va dans ta classe. Non, mais pour vous, c'est normal que cette gamine soit notre prof, là, ou il y a que... Ouais, tranquille. Ah, tout est normal, hein, de toute façon. Ok, tranquille, hein. Elle m'a vu ça mon rat tout à l'heure. 2020, hein. D'accord, ok, donc en fait, votre professeur principal, madame Jackson, ne viendra pas en cours, elle est morte. Voilà. Putain, je suis triste pour elle. On a prié pour ça la dernière fois en plus. Je m'en fous, elle m'a mis zéro. Perd son âme. Nos prières ont été entendues. Mérite. Ouais. Concernant votre professeur, madame Jackson, elle a fait une augmentation mammaire qui a échoué sur le billard. Et les conséquences ont été qu'elle avait un boob plus gros que l'autre. Et du coup, elle a refait une deuxième opération qui a encore été un échec. Et elle est décédée sur la table d'opération. Oh, madame Jackson. Ah. C'est intéressant. Voilà. Mais bon. Oh, madame Jackson. Mort comme une merde. Après, il y a un mythe qui dit que Madame Jackson serait encore vivante. Mais bon, ça c'est, voilà quoi, les suppositions. On n'écoute plus les mythes maintenant, hein. C'est enterré, moi. Hein. Quand je me dis on se voyait à la fin des cours. Et du coup, je me présente, je suis la professeure qui est là pour remplacer Madame Jackson. Je m'appelle Mademoiselle Adidas. Mademoiselle Adidas? Oui. Madame Adidas, c'est un OP ou pas? Comment ça? Est-ce que votre sœur, elle s'appelle Nike? Comment vous savez? Oh, je sais pas, c'est une supposition. Vous avez son OnlyFans, c'est ça? Il est abonné. Ah, vous êtes abonné à l'OnlyFans de ma sœur Nike? Mais chut, ouais. C'est pas vrai, dites pas, dites rien. D'accord, ok. Il paye 10 euros tous les mois. D'accord. Elle est bonne, par contre. Je vous donnerai un code promo de 50% pour sa page OnlyFans si vous êtes sage à la fin du cours. Ah bah voilà. Oh oui, ça, c'est avec plaisir. Voilà. Donc, d'abord, avant de passer au sujet de ce cours, il faudra d'abord que vous vous présentiez un par un pour que je sache un petit peu à qui ai-je affaire. Donc, vous, monsieur, madame, monsieur va-t'en ta classe, on vous écoute. Je m'appelle Va dans ta classe A7. D'accord. Voilà. Et c'est tout ce que classe vous avez de dire. Maths. Écoutez, j'aime bien éclairer des tableaux. C'est ma passion dans la vie. D'accord. Et quand les piles se terminent dans ma torche, du coup, ma passion se termine. Parce qu'il faut que j'aille re-acheter des piles à l'épicerie. Mais après, quand je vais re-acheter des piles à l'épicerie, je les remets dans ma lampe et puis ma passion reprenne, quoi. Voilà. D'accord. Faudra qu'on aborde le sujet de l'écologie, parce que là, c'est pas très éco plus plus. Je vous propose d'acheter des piles rechargeables, monsieur, quand même, va dans ta classe. C'est écologique, parce que dans ma torche, je cache du toshi pour que je me fasse pas arrêter par les poulets. D'accord, ok, donc je du comprends. Coup, c'est vert. C'est vert, ah, c'est vert. Ouais. Ok, monsieur, on vous écoute. Oui. Présentez-vous. Moi, je m'appelle Pistouche. Pistouche, d'accord. Oui. Mais encore. Et
J'adore Bigrave du Gide avec mon ami à ma droite. D'accord, d'accord, intéressant. Ça me fera de nouveaux clients. Gardez-le dans votre tête. Ça marche. Ensuite, monsieur juste là, s'il vous plaît, on vous écoute. Bonjour, je me présente, je m'appelle Victor Walker. J'ai quelques chromosomes en moins, ce qui me cause quelques troubles mentaux comme la bipolarité ou la trisomie. Voilà. D'accord, ok, intéressant. Je savais bien qu'il était dans une classe de SECPA, mais à ce point. Monsieur, on vous écoute. Moi je m'appelle Alpha. J'ai 16 ans, j'aime bien voler des voitures. Je vole toute autre chose. Voilà. D'accord, vous êtes donc un voleur, c'est ça? Vous avez un pickpocket, tout ça? Ouais. D'accord, intéressant. Passe-moi ça un peu, passe-moi ça un peu. Mais vous faites quoi? Asseyez-vous là. Pardon? Je suis en train de faire le phare, madame. Bah, va dans ta classe, tu vas t'asseoir tout de suite. Je suis déjà dans ma classe, madame. Bah oui, mais t'es pas assis. Pas assis, quoi? Là, va à ta place, va t'asseoir. On va commencer le cours. Je suis en train de faire le phare. D'accord, bah illumine l'esprit de tes collègues. Oui, bah surtout que la lumière est cassée dans la classe, du coup je dois éclairer pour qu'on puisse voir. Sinon ça fait tout noir partout. C'est vrai. Et ouais, c'est très bien, c'est restriction budgétaire, l'électricité a sauté, c'est pas bien grave. Bon. Gueule, ouais. Alors, pour le cours d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui devrait vous interpeller, parce que cela vous concerne énormément, cela s'appelle les dangers de l'Internet, d'accord? Non, ça vous interpelle pas, ça vous dit rien. Votre esprit ne vous est pas interloqué. Les dangers de l'Internet, parce que quand je vais sur mon PC, il faut que j'active toutes sortes de logiciels pour pouvoir aller sur le dark web, sinon ils vont me retrouver et me tuer. Exactement. Bah, vous êtes une victime de l'Internet, finalement. Aïe. Et vous, monsieur Pistouche, je fais des millions. Je balance des ballons. C'est interdit, je crois, ça. Les ballons qui volent dans la... les SECPA. Oh, t'es aussi un SECPA, hein. Et t'es moins bête que... Ouais, j'avoue, t'es comme tes collègues, tu es un SECPA aussi. Vous êtes tous des SECPA ici. Mais c'est pas grave. On peut encore faire quelque chose de vous. Vous finirez peut-être... Attendez, bougez pas trop parce que je vous mets le micro devant la bouche comme ça. Moi, je vous éclaire, madame, parce que vous devez être sous la lumière. Voilà. Bon, maintenant, vous allez arrêter le bordel parce que toi, va dans ta classe, tu t'assis. J'arrête de vous éclairer. Toi, Pistouche, tu vas t'asseoir. Toi, tu ranges ton ballon parce que sinon, le ballon, je vais te le rentrer par le fion, d'accord? Oula, t'as pas de preuve que c'est moi. Bah, je suis juste un peu en face de toi pendant que tu me balances les ballons. Ah, il a dit wallah. Voilà. T'as compris la blague? Tu t'appelles Pistouche et je te dis Pistache. T'as compris ou pas? Tu vas t'asseoir, va dans ta classe. Madame, il écrit quoi au tableau? Il y a marqué « Ah bon, toi, chacal ». D'accord? C'est français. Et madame, depuis tout à l'heure, si tu t'abonnes pas, bah c'est que t'es pas un chacal. Donc abonne-toi, sinon t'es un chacal. Alors, pour les dangers de l'Internet, je vais parler d'un sujet qui est hyper grave. Ce sont les youtubeurs. D'accord? Les youtubeurs sont une espèce... sur la toile de l'internet qui est très très grave et qui font vraiment beaucoup de dégâts, d'accord? D'accord? Oui, d'accord. Ouais. Voilà, il y a aussi les influceurs, d'accord? Les influceurs, ce sont les gens qui font des photos sur le Instagram, d'accord? Et est-ce que je vais venir? Ouh. Qui... 10 là. Putain, j'y vais 9. Allez, allez, tu peux le faire, ouais. 5. Allez, encore une série. Ouais, vas-y mon champion. Vas-y, Pistache. Ouais. On commence à Pistache. Je t'ai dit Pistouche. Mais c'est quoi ces haltères de 50 grammes?
Ah, j'ai une idée. Regarde, on va le doper, ton pote. On va le doper. Allez, vas-y. Bouge pas. Vas-y. Ouais, parce que là, il en a grave besoin. C'est un peu... Je sens la puissance. C'est un peu la honte, là, quand même. Attends, j'en profite. Tu voles son téléphone, là. C'est ben un cacahuète. Prends-lui son téléphone, il est immobilisé. Prends-lui, prends-lui. Arrête, tu mets la lumière en plein dans la gueule. Voilà, c'est... T'inquiète, cacahuète. C'est pour que tu vois pas qu'on te vole, cacahuète. Bon, c'est bon, on a terminé. Voilà, parfait. Bon, du coup, pour les dangers de l'Internet, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous reconnaissez des dangers de l'Internet ou pas? Le hack. Oui, oui. Moi, je reconnais des dangers. On t'écoute. Il y a une chaîne YouTube qui me fait très peur. Ah oui? Comment s'appelle-t-elle? Bah, elle a un nom bizarre, là. Ça tourne sur des sujets de filles enceintes et tout. Ah, c'est très grave, tout c'est ça. C'est très deep, c'est trop deep. C'est noir. C'est noir, madame, c'est noir. C'est noir. Et sinon, yes. Vous avez d'autres dangers de l'Internet, à part le hack Studio Bubble Tea, madame. Studio Bubble Tea, effectivement. Schmitt. C'est un danger pour nos neurones, en fait. Quand on regarde ça, bah, à chaque fois que je regarde, bah, je deviens encore plus un sec pas. Mais l'es déjà. Je crois que vous êtes trompé, hein. C'est pas Studio Bubble Tea, c'est Studio Bubble Schmitt. Parce qu'il y a les flics. Ah, je connais pas ça. Bien dit, ça. Bien dit, ouais, c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai, ça. Cacahuète, on est avec les toi, Américains cacahuète. Et les papiers. Et sinon, quelqu'un d'autre? Là, je sais qu'il y a une personne qui n'a rien dit sur les dangers de l'Internet. J'aimerais bien connaître ton avis, quand même. Mais Yasuke. Elle parle à qui? À toi. J'ai dit TikTok. TikTok? Ah oui, c'est vrai, TikTok. C'est vrai que là-haut, c'est clairement Peggy 18. C'est quoi, TikTok? Madame, j'ai une question. Vous avez un TikTok? Bah, bien sûr que j'ai un TikTok. Envoyez des photos filées. J'ai un TikTok, c'est mon TikTok, c'est Madame Adidas. Mmh. Ouais. Faut bi grave après. Ouais. Pardon, j'étais à ce qu'il y a, en gros, l'ajouter. Bon, mais... madame, j'ai un mime. Ah, oui, le mime. D'accord, le famoso mime. Et tu mets quelle genre de photos sur ton mime? En fait, des fois, il y a des messieurs, genre, ils m'envoient des messages en privé. Ils me disent, ouais, on veut voir ton torse et tout. Du coup, je les envoie des photos. Mais il y en a même qui m'ont acheté mes slips sales. Est-ce que... Et ça me fait de l'argent. D'accord, moi, je veux bien savoir combien d'argent tu t'es fait. C'est juste pour... c'est pour une amie. Ah, sur le mois complet, écoutez, je peux sortir sur les 30 000 euros facilement, madame. Après ça, c'est un business à côté, la vente de mes slips, ça rapporte encore plus. Et si j'envoie la photo de mes pieds, bah, c'est 30 000 fois 2. Ok, vas-y, attends, je vole l'avion. Moi aussi, je te paye un de tes caleçons, là. Vas-y, passe. Pas de soucis, cacahuète, je te donne ça. Je t'ai ramené le matos, c'est de la bonne, pas nettoyée depuis un an. Madame, on va prendre l'avion. D'accord. Ou... Voilà. Attends, j'ai pas encore fini de le voler. J'ai pas du tout peur de vous, mais voilà, juste... Mais bon voyage à vous, parce que de toute manière, moi je me casse de cette école de merde, parce que comme ça j'ai envoyé des photos de mes pieds pour 30 000 euros. Qu'est-ce que je me casse les pieds à vous faire des cours? Oh, vous avez des photos de pieds? Je suis chaud, moi. Là, on est chaud, là, tu bouges pas. C'est 5 000 euros, la photo. Je vais les voler. On va voir un prix. Si tu t'abonnes à mon mime quand je l'aurai fait, je te ferai du moins 50%. À la limite, tu mettras le code Adidas 50. T'inquiète. Okay. Madame, j'ai un cadeau pour vous. Regardez, tenez. Attendez, hop, bougez pas d'ici. Regardez, c'est un petit cadeau que je vais vous faire. Viens mon PayPal. Tenez, ouvrez-le. Vous l'avez ouvert? Ouais. Attends, je te prends un peu d'argent. Allez. Bonne rentrée, tout le monde. Cassez-vous. Oh, bande de délinquants. Oh, ils ont tout fait. Bon, étant donné que la classe a explosé, je propose qu'on arrête le cours. Et de toute manière, moi, j'arrête l'école. De toute façon, c'est nul d'être professeur. Mais avant de partir,
Voilà, n'hésitez pas à venir me voir au Wihu du canard poilu si vous voulez votre dose, voilà. Y'a plus les passage, gars. Tenez, attendez avant de partir. Moi aussi, je veux vos pieds là. Tenez. Ouais. Ah, merci, je t'envoie ça après, t'inquiète. Ah, merci. T'inquiète, le man. Allez, tous les secs pas. Madame, j'ai une phrase à vous dire avant de partir. Je sais pas, ça sort dans ma tête comme ça, je sais pas pourquoi, mais genre, c'est une phrase qui dit abonnez-vous à Kenzel et laissez des likes. Allez, au revoir, madame. Non, on vous kidnappe. Non, je me barre. Non. Abonne-toi. Abonne-toi à Non. Abonne-toi à Non. Et à Kenzel. Non. Et laisse des likes.